Coucou tout le monde, aujourd'hui je vais découvrir Into the Necrovale. Il s'agit d'un ARPG à 15 slash avec des éléments roguelite, si je dis pas de bêtises. On va découvrir tout ça ensemble. Moi j'aime bien les trucs à 15 slash de manière générale. Alors, on est dans une crypte. Déjà, j'aime beaucoup le pixel art. Comme ça, ça déchire. J'aime bien. Ok, ça commence bien. Je sais pas du tout comment je fais pour récupérer de la santé dans ce jeu. Faudrait que je vérifie, donc on peut dash, ok. On peut esquiver en gros. Ça. Right mouse consume item, ok. Faut que je tienne appuyé ou... Ok, il faut juste que j'appuie dessus. Je sais pas s'il y a un truc par rapport au... aux touches, il faudrait que je vérifie ça. Voilà. Non, ça passe super bien pour l'instant. Donc, si j'ai bien compris, dans ce jeu, en fait, il y a énormément d'items qui fonctionnent par synergie. Donc ça, c'est plutôt cool. Tiens, on a un item là. D'ailleurs, c'est quoi l'équipement? On attaque plus vite. Good. Je suis pour. Plus de projectiles aussi. On a aussi des attaques spéciales, mais qui nécessitent de l'énergie. Je vais aller là. Donc en fait, on peut aller dans des zones spécifiques à chaque fois. Pay respects. J'ai pas de truc à payer. Je peux pas payer des gemmes parce que j'en ai pas. Ok. Donc on va payer nos respects. On dit. Maintenant, je vais mieux résister au désespoir. Ok, ok. Ça va mieux. C'est quoi Slums? Je sais pas du tout. On va vérifier. Faut que je tue tous les hopeless. Faudrait que je tombe dessus. Oula! Ah ouais, ils font des dommages. Ils font même pas mal de dommages. Ah oui, j'ai plus d'énergie là. Ok. Ça, c'est fait. C'est sombre. J'aime bien le pixel art. Il est vraiment cool. Hein. Ok. Voilà, ça c'est fait. On va avancer un peu. Ça c'est fait. Ah, ouch, ouch. Le power move là, c'est bien, mais je réussis pas toujours quoi. Je peux pas détruire ça, non? Il y en a d'autres. Oh là là, oh là là. Ouais, je pense qu'on va avoir du mal. Ouch! Faut que je les tue avant qu'ils fassent les dégâts, en fait, si possible. Ouais, là, y a rien. Tu veux du décor? Ouais, faut les tuer vite. Voilà, ça c'est fait. Level cleared, ok. Donc j'ai récupéré un item. C'était quoi? Pourquoi je le vois pas? Dans l'inventaire. Je croyais que j'avais récupéré un item. Ou alors une gemme, non? Non, j'ai un... Je croyais que j'avais trouvé quelque chose, j'ai entendu un clic, mais... Ah, voilà. Donc là, on a un shield qui nous permet de bloquer. Donc c'est avec clic droit pour bloquer maintenant. Ok. Si jamais. Cimetière. Il faut que je... Je récupère... Oula! Ça m'enlève de l'espoir, par contre, à chaque fois. Hope. Ok. Donc ça va nous rendre fous. On est moyen, là. Ah! J'ai trouvé une clé. Cool. Je vais pouvoir... ouvrir, là. Qu'est-ce qu'on va avoir de bon, là? Ouh! C'est quoi ça? C'est joli. Peut
Aura Move kills generate health. Je veux bien. Cool. Ah, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cet équipement-là. Bon, je vais arrêter de payer avec de l'espoir parce que, quand même... Quoi, qu'est-ce qui se passe? Il y a des méchants qui arrivent. Ah bah, super. Ah. T'as vu ce que j'ai fait? Bah ouais, ça va, hein. C'est probablement un prochain boss, du coup. Qui a vu ce que j'ai fait. Ok. Il me faut de la santé. Là, j'ai gagné un petit peu d'espoir. Parce que j'ai passé le niveau. Good. Ouh! Encore un item. Et ça, c'est... When you hit a burning enemy. Donc, quand l'ennemi brûle... Et ils sont en plus, il y a un météore qui leur tombe dessus en plus. Donc ça serait bien que je trouve un autre item qui permet de faire brûler l'ennemi. Ça peut être une idée. Alors. Donc quand on complète des niveaux, on peut avoir des cristaux. Il faut faire attention à la façon dont on les dépense parce qu'ils sont très rares. Le refuge. Qu'est-ce qui se passe au refuge? Je vais pouvoir me reposer. Ah, donc j'ai réussi un niveau, du coup. Ok. Je peux parler avec le marchand. Très intéressant. Et ça, c'est quoi, ça? C'est un endroit où je peux laisser des choses. Ah oui, ça coûte des trucs. Non, j'ai pas ce qu'il faut. Ça aussi, j'ai pas ce qu'il faut. Donc au moins, j'ai récupéré ma santé. Donc ça, c'est chouette. Ça, pareil, j'ai pas ce qu'il faut. Je sais pas ce que c'est tout ça, mais je suppose qu'on va pouvoir y accéder au fur et à mesure. Bon, c'est cool, en tout cas. Encore une fois, je trouve que c'est très bien fait en termes de pixel art et tout. Je crois qu'en plus c'est un dev solo, mais ou en tout cas une équipe très indé, si on peut dire très indé. En tout cas, c'est un petit jeu bien fait qui vaut le coup quand même d'être découvert. Donc ça serait Dungeon Level 2 où je devrais aller parce que j'ai déjà fait le level 1. Voyons voir. Sont les méchants. Oh, oh là là. Ça pue, ça. On se calme, hein. J'ai récupéré un tout petit peu d'énergie, mais pas assez à mon goût. Dis donc, le coffre, à chaque fois, il m'écrase, quoi. C'est un totem. Mais le totem, du coup, je le mets comment? Ah, c'est pas un truc que je peux... Que je peux mettre, en fait. Il est à la place du bouclier. Ça, je vais l'essayer. Je vais voir. En fait, c'est... Bon, de toute façon, je peux pas, pour l'instant, l'utiliser. Oui, il y a un truc ici. Ouh, bah, je veux le récupérer, moi. Comment je fais? Je parle un peu aux gens, tout ça. Il me faut la porte. Il me faut la clé de la porte, là. Il n'y a pas moyen? C'est dégueulasse! Mais c'est dégueulasse, je le veux, le truc! Bon, bah, je peux pas l'avoir. Bah, tant pis, hein. Ou alors, j'ai loupé quelque chose, je sais pas. Ouh! Elle veut que je l'aide. Pourquoi je sens que c'est une... C'est pas une gentille. Ah ouais, non. Faut que je la protège, ok. Faut que je la protège. C'est pas une méchante.
Ok. Allez, hop. Voilà, très bien. Jusqu'ici, ça va. C'est bon, on a réussi ? On a réussi, cool. C'est quoi ma récompense ? Un emblème ? Ça fait quoi, ça ? Et c'est à la place de ça, ok. Donc ça, ça me donne... Quand tu fais des dommages, tu te heals et tu gagnes, par contre, du désespoir. Ça, c'est pas génial, ça. Ouais, on va pas l'utiliser pour l'instant. Et ça, c'est... une autre arme. Ouais. Non, je vais garder le truc qui me fait... Qui me heal quand je fais des power moves. Je peux le mettre dans le stage, j'espère que ça sera sauvegardé du coup. Ah oui, j'ai pas assez de hope là. Ah non, je vais pas le faire. J'ai pas envie d'être désespéré non plus. C'est quoi le atrium ? C'est chouette, hein ? C'est beau, hein ? Oula ! Oula ! Oulala. Là là. Ça fait quoi le staff là ? J'ai l'impression que je l'ai pas utilisé correctement jusqu'ici. Ah ! Sérieusement ? Et j'ai pas gagné assez de points de vie là. On va utiliser la santé, mais c'est pas suffisant, hein. Le staff, j'ai l'impression que finalement, il me sert à rien. Knockback, ah oui, il faut que je sois à côté. All nearby enemies are pushed. Bah oui. Faut qu'il soit à côté, quoi. Ça, c'est quoi, ça? Tu gagnes des pouvoirs. Tu gagnes de la force quand tu reçois des dommages. Quoi, ça? Ça va pas durer longtemps, ça. Déjà, on va récupérer encore de la santé. Rien d'autre. Ouais, je vais pas aller chez les rats, là. C'est bon. Hein. Les Cough Roads. Ok. Ah ! Mais non ! Mais vous me tuez là ! Non ! Des méchants ! Ouais, il me reste plus que 6 points de vie, quoi. Je sais pas ce que c'est, mais... Prends les potions que je peux là, c'est une horreur. C'est pas fini en tout cas. Enemies remaining one, il est où? Ouais, c'est chaud là, il me reste plus que 6 points de vie sur 100. Comment dire? Je souffre. Ça se joue très bien, c'est très très prenant. Je n'ai rien à redire là-dessus. C'est quoi le foraging guide? Ah, les potions seront meilleures. Ok. Temple of Hope, ça c'est bien. Je vais prier. Ouh! Eh ben, enfin! Enfin, j'ai des gemmes.
Enfin, et là on arrive au refuge. Bah c'est super, j'ai quand même réussi hein. Encore un niveau de réussi, c'est top. Et je suis même pas encore morte, mais je crois qu'il n'y a pas eu de boss. Les boss sont un peu plus loin. Mais c'est déjà pas mal, franchement. Hein. Donc là, je peux payer et ça donne du feu. Et ça me sert, ça va me servir à quoi d'avoir du feu? C'est tout? J'ai pas l'impression que ça m'a donné quelque chose. Ben ça coûte 4. Y'a pas de truc qui coûte moins cher. C'est bête, j'aurais peut-être pas dû dépenser. Le refuge, il est quand même grand en fait. C'est vrai, j'ai pas fait attention. Je peux le détruire lui, il me donne quoi? Il me donne un peu d'espoir en fait. Plus je tape dessus, plus il me donne de l'espoir. Ok, donc ça me permet de recharger en fait. Non, c'est pas de l'espoir, pardon, c'est de l'énergie. Oh, c'est bien ça. Comme ça, je recharge avant mon prochain donjon. Ok. C'est bon à savoir. Encore plein de choses pour lesquelles il faut payer. Ouais. J'ai pas ce qu'il faut, les gars. J'ai pas ce qu'il faut. Mais en tout cas, le jeu, comme je disais, très prenant. Je regrette pas d'avoir fait cette petite découverte. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et un petit like pour plein d'autres découvertes de jeux vidéo. Abonnez-vous. Moi, je vous dis à très bientôt. Des bisous en pixels. Ciao, ciao.